Tu peux recommander la lecture de la parole de Dieu au Seigneur et le place de la réunion. Seigneur, nous te remercions. La grâce que tu nous as. Oui, c'est vrai. Merci pour ce moment que tu nous donnes de nous retrouver encore dans ta présence. Merci pour tous ces moments que tu nous as fait passer. Oui. Mais tu as dit, c'est toi qui blesses et c'est toi qui penses. Amen. C'est toi qui fais mourir et c'est toi qui fais vivre. Et Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Amen. Bénis ces moments. Oui, c'est vrai. Tu as toujours quelque chose pour tes enfants que nous sommes. Amen. Utilise-la pour ton serviteur. Oui, c'est vrai. Fortifie-le. Oh, notre Dieu. Et que, oh Dieu, tu brûles sa langue. Amen. Comme il a été dit, des langues semblables à des langues. Oui, de feu. Sont descendus sur eux et ils parlaient en langue selon que l'Esprit les conduisait. Amen. Seigneur, conduis-le simplement. Tu connais nos besoins. Parle à nos cœurs. Fortifie notre foi afin que cela nous fasse grandir et nous préparer à ta rencontre. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois qu'on a fini avec ce long thème que nous avons développé. Cette parole agit-elle en vous? Ou bien, qu'est-ce qui domine sur vous? C'était assez long, c'est vrai. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction à quelque chose de nouveau. Le modèle. Quel est le modèle que nous avons? Et comment est-ce que les autres ont marché avant nous? Comment ont-ils marché? Sur quelle base ont marché? Et comme je dis en introduction, j'aimerais bien le dire, on ne peut pas prêcher la même chose dans des endroits différents de la même manière. Puisque vous allez vous rendre compte que je n'écris pas ce que je dis, je note, je passe sur les versets bibliques qui me viennent, selon que le Seigneur me conduit, et je les porte simplement, et je laisse Dieu nous conduire dans ce qu'il a à nous donner, parce que les besoins sont différents en fonction de l'auditoire. Amen. On va prendre d'abord Jérémie, chapitre 1. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis senti conduit par cela, ce qui n'a pas été le cas avant. Je vais lire quelques passages, et puis après on va aller dans la Genèse, pour lire quelques passages en introduction, simplement. Avant de revenir la semaine prochaine, si Dieu le permet, on a deux d'enterrement dimanche, vendredi et samedi. On a l'enterrement de ma belle-sœur le vendredi. L'enterrement de notre sœur qui aussi est décédée 6 jours après ma femme le samedi. Dimanche, on pourrait être ici, simplement. Le dimanche qui suit, si l'invitation de nos frères d'Abangourou n'est pas activée, on aura la réunion. Si elle est activée, on pourra peut-être suivre la réunion depuis Abangourou. En faisant partir les techniciens de cette plateforme avec nous, pour que ceux qui sont à Abidjan puissent suivre cette réunion-là. Amen. Amen. Je lirai dans Jérémie, je ne sais pas pourquoi, mais je le lis. Après le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu les arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier.
Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Je commence par ce passage pour nous dire que quand Dieu déclare une chose, nous devons savoir qu'il va l'accomplir. Amen. On ne peut pas contester ce que Dieu décide. Nul ne peut contester ce que Dieu veut faire. C'est vrai que Moïse a fait une bonne proposition au Seigneur quand il avait décidé de détruire ce peuple-là, incrédule, pour faire de lui une nouvelle nation qui va entrer sur la terre promise. Moïse lui a dit simplement, si tu le fais, tous les rois diront que c'est parce que tu n'as pas la capacité de les amener dans la terre promise que tu as fait cela. Mais sois avec nous et accompagne-nous. Parce que si tu n'es pas avec nous, nous ne bougerons pas d'ici. Et ici également, il a choisi Jérémie. Bien avant que Jérémie ne naisse, il le connaissait. Nous devons le savoir. Il n'y a pas de hasard dans la vie des croyants. Et je profite de l'occasion pour dire à mes frères et sœurs qui sont en ligne. J'ai dit la fois dernière, et je le redis encore, que cette maladie diabolique ne brise pas la communion entre vous. Amen. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Parce que la Bible dit, là où deux, trois sont réunis à mon nom, j'aime le deux. Et qu'il est bien pour les frères de demeurer ensemble. Là, le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mais si nous ne pouvons pas être ensemble, on ne peut pas avoir la bénédiction. Et puis il a dit, si deux ou trois s'accordent pour être ensemble et qu'ils demandent quelque chose, je le leur accorde. Mais il faut qu'on soit ensemble et qu'on soit d'accord pour le demander. Que Dieu vienne au secours de chacun de nous et que nous sachions que le temps est venu de serrer les liens, de serrer les rangs et de prier, sachant que c'est une maladie comme toute autre maladie. Et comme toute autre maladie, elle peut être guérie. Amen. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Au verset 10, il dit, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises. » Ça pourrait paraître un peu bizarre de voir que Dieu ordonne à son serviteur d'aller, de détruire, de ruiner, d'abattre. Mais le Seigneur a dit, « Tout plat qui n'est pas planté par mon père sera arraché. » Sera déraciné. Et Jean-Baptiste l'a dit aussi, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Il va être coupé et jeté au feu. » Donc, nous devons savoir que la parole de Dieu ne vient pas en vain. Elle vient pour préparer. Elle vient autant pour détruire. Parce que, écoutons, quand on n'est pas croyant que la parole de Dieu vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient déraciner ce qui est mauvais en nous. Ce qui nous empêche de marcher avec Dieu là. Elle vient détruire ça pour nous replanter sur le chemin, sur la vie, pour que nous marchions avec le Seigneur. Aussi longtemps que l'autre n'a pas été détruit, il ne peut pas planter l'autre. C'est pour ça que il ruine, il détruit, mais il bâtit et il plante. Il plante pour que ce soit éternellement planté. Maintenant, la partie où je voulais qu'on regarde bien, là, tu as bien vu, c'est le verset 12, « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » J'aimerais que nous fassions bien attention à ce verset-là. On pourrait dire, où il a dit à Jérémie, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » C'est comme ça concerne seulement Jérémie. Ça ne concerne pas seulement Jérémie. Ça concerne toute sa parole. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce qui est sorti de l'Éternel, là, il veille sur chaque parole pour l'accomplir. Même ce qui nous a été donné à cette fin de temps, le Seigneur veille là-dessus pour l'accomplir. Amen. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, il va l'accomplir. Parce que notre incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Dieu ne change pas sa façon de faire. Et ça, nous devons le savoir. Nous devons comprendre que tel il l'a fait auparavant, tel le fera aujourd'hui.
À nous de nous aligner. Donc, si le Seigneur a dit aux disciples, je vous ai donné tout pouvoir pour marcher sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, rien ne peut vous atteindre, sachez que cela, est, comme c'est écrit dans la Bible, c'est valable pour nous. Ça, moi, je le crois. Amen. Comme je dis à quelqu'un, le psaume 91 n'a plus de pouvoir pour certains croyants aujourd'hui parce que le colonel est là. Oui. Peut-être je vais lire quelques extraits du passage de psaume 91 là qui doit concerner pour les croyants. Je lis ça pour les croyants. Pour ceux, c'est vous qui allez entendre plus tard, si vous êtes croyant, ça doit vous concerner. Je lis à votre verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, Amen. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Ah, c'est pas Dieu qui l'a dit? Il dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Si cette partie-là vient de l'Éternel, il veille là-dessus pour l'exécuter. Amen. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste. En ce temps-là, la peste était la plus grosse maladie qui ravageait partout. Comme quand le cancer ravageait, comme quand le sida ravageait, aujourd'hui c'est le Covid-19. Covid-19 là, ravage. Mais si c'est le Covid, mais remplacez la peste par Covid. Remplacez le mot peste là par Covid. Et c'est tout simple. Ni le Covid-19 qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il n'y a pas de maladie aussi contagieuse que le Covid aujourd'hui. C'est pas vrai? Mais Dieu exécute sa parole. Je suis le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'un frère ne peut pas être frappé par cette maladie, mais il doit t'assurer que le Seigneur qui guérit les autres maladies est capable de le guérir également. Amen. Maintenant, s'il doit partir pour se reposer, c'est que le Seigneur a décidé qu'il allait se reposer. Ce n'est pas la maladie qui va le tuer, mais c'est le Seigneur qui a décidé du jour de son départ. Et c'est là que j'aime bien lire le psaume 139. Donc, pour ce qui concerne ce que nous venons de lire, le Seigneur veille sur les promesses qu'il a faites pour les mettre en application. Si nous croyons que le Seigneur a promis dans Jean 14 que nous ne devons pas douter, nous ne devons pas craindre, que nous devons croire et qu'il va préparer une place pour nous, quand il aura fini, il viendra pour nous chercher, afin que là où il est, nous soyons aussi, si cela et dans la Bible, c'est vrai, le Seigneur veille à ce que cette écriture s'accomplisse. Amen. Il va l'exécuter à la lettre pour nous. Pour tous ceux qui espèrent en lui. Ce matin, je lisais avec les enfants à la maison. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gagné la foi. Et la couronne de justice m'est réservée, non pas à moi seulement, mais à tous ceux qui aiment son avènement. Mais, frère, moi, l'apôtre Paul, il a dit, c'est écrit. Si quelqu'un aime l'avènement du Seigneur, la couronne de justice est aussi pour lui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour revenir à un peu au modèle, on va aller dans la Genèse. Je vous ai dit qu'on va faire une introduction parce qu'on doit certainement aller pour les condoléances que les gens viennent présenter à nos bien-aimés parents pour la deuxième partie de ces funérailles qui nous frappent lourdement. On va dans Genèse 6. Je n'y avais pas pensé depuis. C'est tout à l'heure là que cela m'est venu, je l'ai lu également pour voir dans le cadre du modèle, dans le cadre de la décision que Dieu prend et ce qu'il exécute. On lit à partir du verset 8. Genèse 6, verset 8.
Mais Noé, tu vas grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait pour trouver grâce? Si vous lisez avant, je ne sais pas s'il nous a fait quelque chose de très particulier. Mais, frère, nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. C'est pour ça que le message de la fin des temps nous a été donné. Et j'ai dit aujourd'hui une chose. Je le dis, ce n'est pas par prétention. Il y a deux groupes dans ce message. Il y a des chrétiens dans le message et il y a des gens qui sont dans le message sans être chrétiens. Ne pourraient être enlevés que ceux qui sont chrétiens dans le message. Amen. Parce que ceux qui sont chrétiens, ils l'ont été tous les jours de leur vie. Amen. Avant qu'ils ne naissent, ils étaient chrétiens. Amen. Le Seigneur les connaissait avant. Ce n'est pas maintenant. Et Christ pouvait dire, ce sont ceux que le Père m'a donné. Ceux que le Père m'a donné viendront. Quand il a donné, dès la fondation du monde, leur nom a été écrit. Donc ce n'est pas maintenant. Et c'est pour ça que c'est important que nous soyons rassurés. Et tout à l'heure, quelqu'un priait, il a dit, on revenait là-dessus, le modèle pour notre temps n'est pas différent du modèle que les apôtres ont eu. On le regardera après, on le verra. Peut-être ici, j'irai la semaine prochaine, on va aller très vite sur les autres modèles pour arriver juste à notre temps, pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais tout dépendant de ce que le Seigneur nous donnera. Donc, voici la postérité de Noé, je passe là-dessus. Au verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On va progressivement vers la corruption de toute chair sur la terre. On y va progressivement, hein? Lentement, mais sûrement, on y va. Des lois iniques sont en train d'être prises. Des pratiques iniques sont en train d'être prises. Même dans les écoles. Des choses qu'on n'a pas vues avant. Aujourd'hui, on les enseigne aux enfants. Mais c'est inique. On a commencé déjà par chasser Dieu dans notre vie. Dans nos maisons. Dans nos pays. Dans les lois. Dans les écoles. Et souvent, maintenant, quand le malheur arrive, on demande... Qu'est-ce que Dieu fait? Comme quelqu'un me pose la question. Pour le Covid, qu'est-ce que Dieu dit? Mais on a chassé Dieu. Mais si on a chassé Dieu dans notre vie, c'est ce qui nous donne savoir qu'il y arrive. Mais fais-toi une hache. Écoutez bien. Fais-toi une hache de bois, de gouffre. Tu disposeras cette hache-là en cellule. Et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici, regardez bien les mots qui sont employés. Voici comment tu la feras. Ici, on peut bâtir toute une prédication. Voici comment tu la feras. Tu ne la feras pas comme tu veux. Tu ne la feras pas comme les autres peuvent le faire voir ou ce que tu as vu faire avant par d'autres personnes. Mais tu la feras comme moi je vais t'indiquer. Amen. Tu ne feras pas ça comme quelqu'un d'autre te le dira. La manière dont je veux que tu la fabriques là, c'est moi qui vais te l'indiquer. Donc le modèle vient de moi. Alors tu suivras mes instructions. Tu feras comme moi je l'entends. Pour que ça atteigne son objectif. Parce que le Seigneur connaît l'objectif qu'il vise. N'est-ce pas? S'il connaît l'objectif qu'il vise, alors quand il te dit tu fais comme ça, et quand tu fais autrement, ça n'atteint pas l'objectif. Il faut faire exactement comme lui l'a dit. Voici comment tu le feras. Ah oui, c'est beau, hein, de savoir ça. Voici comment tu le feras. C'est qu'il va lui montrer le modèle. Il va lui donner la manière, la façon. D'abord, il dit, c'est pas n'importe quelle voie tu vas prendre. Tu ne prendras pas n'importe quel bois. Je te dis, moi-même, le bois que tu dois prendre. Et vous savez, le gouffre, c'est un bois assez léger qui absorbe l'eau par dedans, par dehors. Donc, quand il dit, tu as l'enduit,
en dedans et en dehors, de sorte qu'une fois que par dedans c'est rempli, par derrière c'est rempli, rien d'autre ne peut entrer là-dedans. Et c'est comme ça que le Seigneur fait. Si le Seigneur vit en toi, rien d'autre ne peut rentrer. S'il prend position de ton cœur, rien d'autre ne peut rentrer. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ont la haine dans leur cœur. Ils n'ont pas d'amour. Mais je dis toujours, hein, l'amour n'a rien de semblable à la compassion. Pas parce que je dis quelqu'un a perdu quelqu'un, je l'accompagne, que je l'aime faussement. Je peux exprimer la compassion sans l'aimer. Il faut que ça, on le sache également. C'est pas parce que quelqu'un a fait, je lui ai donné de l'argent, que je l'amour. C'est faux. On va lire 1 Corinthiens 13, on va se rendre compte que ça n'a rien à voir. Les caritas là, on allait dire qu'ils sont pleins d'amour. Non, c'est pas vrai. Regardez l'amour que Christ a manifesté pour nous. Quand nous étions rien du tout, quand nous ne l'aimions même pas, nous ne le connaissions même pas, on pouvait même l'injurier, l'insulter et tout, malgré tout, il nous a aimés. Et il est mort pour nous. Prenons notre modèle, le brigand à la croix. Il a fait tout ce qui est mauvais. Vous pensez que la loi n'existait pas à ce temps-là? La loi de Moïse, les prophètes, les psaumes n'existaient pas? Mais si! Le riche et Lazare, le riche, il connaissait bien la loi. Parce qu'il peut dire à Abraham, envoie Lazare pour dire à mes frères de ne pas venir ici, de se reconnaître. Mais qu'est-ce que Abraham a dit? Ils ont Moïse et le prophète avec eux. Il dit non. Si quelqu'un va parmi les morts pour aller, il dit non, non. S'il ne croit pas à Moïse, il ne croit pas au prophète, même quand il est mort ressuscité, il ne croirait pas en lui. Et c'est vrai. Donc, bien aimé, regardons bien. Ce n'est pas n'importe comment. Prions pour que Dieu nous remplisse de son esprit. Amen. Que votre objectif coïncide avec l'objectif de Dieu qui est de nous remplir de son esprit. Sinon, on sera dans le message pour dans le message. Soyons chrétiens dans le message. Soyons des gens que le Seigneur a envoyés dans le message pour être ses serviteurs, ses servantes. Des gens qui marchent selon les principes bibliques. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, pas 400, pas 380, pas 280, mais 300. Le Seigneur connaît la longueur exacte qu'il faut. Et quand vous partez voir l'arche de l'Alliance également, vous allez voir les coudées, vous allez voir, quand il parle de la construction du temple, vous allez voir les dimensions, c'est Dieu qui a donné les dimensions, on en verra plus tard. 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Quelqu'un a dit c'est le plus gros pacobo qu'on pouvait construire et qui peut flotter. Parce qu'il n'est pas fait pour avoir un moteur, mais il est fait pour flotter sur l'eau. De sorte qu'il ne puisse pas se briser avec les vagues. Quelqu'un pouvait dire le plus grand scientifique, c'est Dieu lui-même. Amen. Il n'y a pas un plus grand scientifique que Dieu. Le plus grand médecin, c'est Dieu lui-même. Il n'y en a pas plus grand que lui. Alors que Dieu nous aide, afin de nous donner vraiment une confiance pleine en lui. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Déjà en ce temps-là, vous voyez bien, non? Dieu sait, on peut construire une maison à l'étage. Trois étages. Dieu dit à Moïse de construire, à Noé de construire un bâtiment à trois étages. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie, on les appelle les bâtiments. Nous qui travaillons au port, je vais vous dire une chose. Quand on voit un navire passer, aujourd'hui, les navires les plus gros ont 18 mètres de profondeur qu'on appelle le tirant d'eau. Il y a en bas dans l'eau, il y a 18 mètres. En d'autres que vous voyez en haut là, il y a 18 mètres encore en bas. Qui est dans l'eau, qui est tout équipé, dans lequel les gens sont. Ce qui fait que
on peut mettre 18 000 boîtes, on peut mettre 18 000 boîtes, on peut mettre 18 000 conteneurs là-dessus. C'est le navire le plus gros aujourd'hui. Il faut à peu près 300 mètres de longueur, 50 mètres de largeur. Voilà. Et si on calculait avec les coudées, je pense que d'aller être approximativement à cet élément-là aujourd'hui, sauf que il n'est pas fait pour être dans l'eau, mais il est fait pour flotter carrément sur l'eau. Et moi, écoutez-moi bien, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Bien-aimé, si le Seigneur a décidé aujourd'hui de juger la terre ou de l'ébranler et de prendre la terre, le ciel et de la purifier par le feu, nous devons savoir que cela aura lieu. Il va la purifier par le feu. On va se demander d'où viendra le feu. Mais il y a déjà le feu en bas. Dans le sol, il y a le feu. Le magma est en bas déjà. Il suffit que lui-même, il creuse une petite fente pour que toutes les laves sortent là pour purifier la terre toute entière. On a tellement de choses dans les espaces, tellement de salades dans les espaces, que, et nous l'a même dit, le feu va brûler 7 fois sa chaleur. Mais tous ces appareils qu'ils ont envoyés avec les tests qui ont été faits avec la chaleur d'aujourd'hui, si la chaleur du soleil d'aujourd'hui, il peut encore résister, quand ça s'amplifie par 7 fois, c'est pas sûr que ces matériaux vont résister. Ils vont tous fondre et tomber carrément en chose, en flamme. Voilà où va la salade de l'homme. La salade de l'homme n'est rien de tout. Dieu savait déjà où ira l'homme. Et lui l'a déjà préparé la contre-offensive pour parler comme ça. Pour montrer que l'homme est stupide. Très stupide. Donc, Noé ne peut pas faire autrement que ce que Dieu va lui indiquer. Et c'est important pour savoir que, frère, pour chaque chose, Dieu donne un modèle. Et ici, Dieu est en train de donner le modèle de construction, de bâtiment qu'il faut à Noé pour sa survie. Et la survie de sa femme, de sa famille. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux. On peut sauter pour revenir. Allons un peu plus devant, au verset 22. C'est ce que fit Noé. C'est ce que fit Noé. Noé a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Je veux que nous comprenions bien, frères et sœurs, que si Noé avait fait autre chose que ce que Dieu a dit, Noé n'aurait pas survécu avec sa famille. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Frère, la question est de savoir, est-ce que nous savons ce que Dieu nous a ordonné? Parce que pour exécuter, il faut d'abord savoir ce que Dieu te demande. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et même dans le message que nous avons, c'est là le problème qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a voulu que ce message-là apporte à chacun de nous, pour que nous puissions marcher comme Dieu le veut, pour que nous bénéficions des promesses qui sont dans ce message. Mes bien-aimés qui suivent en ligne, posez-vous la question vous-même. En réalité, pourquoi Dieu envoie ce message? J'avais commencé ce message à Abidjan, je n'ai pas terminé. Pourquoi le message a-t-il été donné? Quel objectif Dieu se visait, se préparait-il? Se donnait-il? Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Quand Dieu vit, il fait une chose, il y a un objectif qu'il atteint. Il y a toujours un objectif.
quand elle a demandé au peuple d'Israël de passer par la mer Rouge, alors qu'il y a un chemin tout droit pour arriver vastement sur la terre promise, il visait un objectif. L'objectif, c'est d'apprendre au peuple d'Israël qu'il est le Dieu de toute situation. Et que rien ne le surprend. Et qu'il veut leur montrer que ces Égyptiens qui les ont pris à mépris, il va les détruire pour qu'ils comprennent que là, ils vont partir là. Personne ne va leur résister. Parce que les Égyptiens étaient une armée forte à ce temps-là. C'est tellement que dans les grandes batailles qu'ils ont menées avec les autres rois, ils étaient très forts. Ils avaient bien confiance en eux. Mais Dieu a voulu montrer au peuple d'Israël que seul il peut les détruire. S'il peut les détruire, il détruira ceux qui sont devant eux. Malheureusement, arrivé à Kadès Barnéa, l'incrédulité les a envahis. Ils ont eu très peur des fils d'Anak. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Je vais m'arrêter là. Pour nous montrer que, frère, aujourd'hui également, il est important pour chacun de nous de marcher selon ce que Dieu nous ordonne. La fois dernière, nous avons lu en sa présence pour nous dire que nous devons mettre Dieu toujours devant nous. Dans chaque acte, dans chaque situation, Dieu doit être toujours devant nous. Nous ne devons rien faire qui soit contraire à la volonté parfaite de Dieu. Ne recherchons pas la volonté permissive de Dieu. Cherchons la volonté parfaite de Dieu en toutes choses. Oui, dans la volonté permissive, Dieu va se glorifier. C'est vrai. Mais nous, nous le payerons très cher. C'est pour ça qu'il est bon de chercher toujours ce que Dieu veut lui-même. Avant d'entreprendre une chose, cherchez à savoir si c'est la volonté parfaite de Dieu pour vous. Je sais qu'on en a, on avait un temps donné les moyens de connaître la volonté de Dieu. Peut-être un jour on en parlera. Pour ceux qui nous prennent maintenant, pour qu'ils sachent que dans n'importe quelle situation, il est d'abord bon de connaître la volonté de Dieu. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu fais ce qui est bon devant lui, qui est son modèle. Ce qu'il veut, c'est le modèle qu'il veut que tu suives. Et ici, Noé avait à bâtir l'arche. Ce n'est pas Noé qui a déterminé les dimensions, les dispositions. Ceux qui doivent être dans l'arche, ce n'est pas Noé qui les a décidés. Dieu lui a dit, voilà les coupes d'animaux qui doivent venir. Regardez mes frères et sœurs. Alors que les hommes certainement se moquaient de Noé, parce que en leur temps, la science était très développée, ils ont dû sonder pour voir qu'il n'y a pas de l'eau nulle part en haut. Pourtant, on va relire un peu. Pour qu'on regarde un peu, on voit. Ils ont dû regarder, il n'y a rien du tout. Quelqu'un disait, ils avaient bâti les pyramides avec une science, avec les blocs de pierre qu'on ne peut pas transporter aujourd'hui avec quelques machines que ce soit. C'est vrai. On pense qu'aujourd'hui on est très technique, très moderne, très scientifique, mais on ne l'est pas. On est moins que ça. J'ai lu quelque chose où on a dit que les gens ont trouvé en ce temps-là déjà une peinture du temps de Noé qui est restée encore vive jusqu'aujourd'hui. À notre temps. Alors, si c'est le cas, est-ce que nos peintures peuvent durer 100 ans? La peinture qu'on a mise sur les murs de ta maison, ça dure combien d'années? Au bout de 3 heures, il faut repeindre ça. Au temps d'Abraham, on a découvert également un pot dans lequel on avait mis du blé. Et le blé était conservé. Ils ont pris ce blé, ils l'ont planté, il a donné des fruits. Pour nous dire que ces hommes qui étaient avant ont une science peut-être plus développée, celle que nous avons aujourd'hui. On a perdu beaucoup de choses. Ils vivent plus longtemps que nous. Pourquoi ils pouvaient vivre plus longtemps que nous? Mais parce qu'ils avaient une science qui leur permettait de vivre une vie saine, une vie pure. Aujourd'hui, nous détruisons.
Nous mangeons n'importe comment. Nous vivons n'importe comment. Nous ne vivons pas selon le modèle que Dieu a donné au premier. Les gens vivaient plusieurs années, des centaines d'années. Aujourd'hui, quand quelqu'un atteint 115 ans, on dit, mais c'est un exploit. On cherche dans le monde ceux qui ont plus de 100 ans. Alors, quand quelqu'un a plus de 100 ans, on observe, on lui demande, comment est-ce que tu as fait pour vivre tes 100 ans? En leur temps, vivre 100 ans, c'est de rien du tout. Abraham a vécu plus de 100 ans. C'est pas vrai? C'est à 100 ans que Isaac est né. Après, c'est marié avec Keturah. Il a encore fait des enfants. On peut bien aller chercher son âge dans Genèse 23-24, tranquillement, puis voir exactement combien d'années Abraham a vécu. Donc ici, regardez bien. Et moi, j'ai fait venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie. Mais j'établirai mon alliance avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'âge des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Deux de chaque espèce viendront vers toi. Des animaux qui n'ont pas d'âme, qui ne savent rien, iront vers Noé pour sauver leur vie. Mais les humains qui vivent avec Noé en ce temps-là se moquent de Noé. On pense qu'il est fou et qu'on n'y a jamais eu d'eau et qu'ils sont en train de se fatiguer pour construire une arche, un bâtiment qui ne servira à rien. Parler de l'enlèvement aujourd'hui à quelqu'un, il vous dit que vous êtes fou. Parler de la faim, pour parler comme ça de la faim du monde, il vous dit que vous êtes fou. Parler de la résurrection des saints, oh, même écoutez bien, parmi les religions, beaucoup ne croient pas à ça. Je me souviens, il y a encore 6 ou 7 ans derrière, quelqu'un dit, mais pourquoi c'est ceux-là qui croient, mais c'est Branham seulement qui parle de l'enlèvement, qui parle de la résurrection des saints. Pourquoi c'est eux seulement qui en parlent? Aujourd'hui, il y en a qui commencent à en parler, mais comment y arriver? Ils ne savent pas. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir participer à l'enlèvement? Ils ne savent pas ça. Un jour, on parlera des conditions à remplir pour passer à l'enlèvement. Parce que Noé y participait. Quelles sont les conditions à remplir? Ah oui, il y a des conditions à remplir. Dieu ne fait rien comme ça dans le désordre. Il a toujours un plan, il a toujours un modèle, il a toujours une façon de faire. Et ça fait, il peut dire à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand j'ai dit une chose, je vais surveiller l'exécution de ce que j'ai dit. Ça ne passera pas. Et dans, je crois que c'est dans Habakkuk, il a dit, la prophétie là, il faut la surveiller. Il faut l'attendre. Mais c'est tard. Attends-la. Parce qu'elle va elle va s'exécuter et c'est sûrement qu'elle va se réaliser. Parce que je vais sur ma propre pour l'exécuter. Bien-aimé, cherchez toujours à obtenir de Dieu ce qu'il veut pour vous. Amen. Et quand il le dit, sachez que cela aura lieu. C'est pour cela que la foi parfaite dont Frère Branham parle est importante. Quand Dieu dit une chose, ne doutez pas de ça, bien-aimé. Mettez-y votre confiance jusqu'au bout. Même si on doit vous couper la tête, sachez que c'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu a parlé, hein, pas comme un homme a parlé. Parce qu'un homme peut parler et cela ne peut ne pas avoir lieu. Mais quand Dieu dit une chose, cela aura lieu. Et voilà ce qu'il a dit à Noé. Je viens ici déjà. C'est vrai que je pensais dans la Genèse pour venir. J'ai lu, je vais ma parole pour l'exécuter et je vais ici, dans la Genèse. Pour que vous voyez. Et puis quand nous allons au chapitre 7, l'Éternel dit à Noé, en allant, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Je t'ai vu juste
Parce qu'un enfant de Dieu, tout ce qui se passe là sur la terre, là, il n'y prend pas part quand ce n'est pas selon la parole de Dieu. Son cœur n'aime pas ça. Son esprit n'apprécie pas ça. Mais quand c'est dans l'église que ça se fait, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, son cœur n'apprécie pas, son âme n'adhère pas. Ce n'est pas un problème de copinage, d'amitié. Non, non, non. C'est un problème de vie ou de mort. C'est un problème de savoir choisir et de prendre parti pour les choses de Dieu. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs. Pour les autres, c'est 7. Pour ceux qui sont purs, c'est 7. Mais pour ceux qui ne sont pas purs, c'est combien? C'est une seule paire. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Voilà la décision. Voilà l'ordre de Dieu. Il a décidé d'exterminer tout ce qu'il a fait lui-même sur la terre. Mais il va épargner. Et c'est lui qui a choisi. Les autres, les 30 grands nageurs, certainement, pouvaient dire, mais attends, nous on sait bien grimper les alpinistes. On sait bien grimper les montagnes. On sait bien faire ceci. Oh, nous, il est en train de plaisanter. On n'a jamais vu de l'eau tomber. On va voir comment ça va. On va voir. Ça va. Il va rester devant un mur de chaleur. Et puis on continue au verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Amen. C'est la deuxième fois, non? Oui. Au verset 22 du chapitre 6, Noé a exécuté tout ce que Dieu lui a donné. Au verset 5 du chapitre 27, du chapitre 7, on nous dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Dans les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tous ceux qui se meurent sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Est-ce Noé qui va pas les chercher? Non. Dieu leur a donné l'intelligence pour qu'ils viennent là. Pour qu'ils soient sauvés. Est-ce qu'ils savaient que Noé conseille l'arche? Non. Mais quand le temps était venu, Dieu les a conduits, ceux qui veulent l'amener dedans. Frère, sœur, le message, là, quand vous arrivez aux États-Unis, il est mort. Vous ne voyez même pas de traces. Si ce n'est pas que les Africains. Si ce n'est pas les Africains qui en parlent parmi les Blancs, c'est comme si vraiment on n'est jamais passé sur la terre. C'est comme s'il n'y a jamais eu de guérison. C'est comme s'il n'y a jamais eu de résurrection. Rien du tout. Rien du tout. Quelqu'un a dit, les Américains n'ont qu'à enlever in God we trust. Nous avons une money we trust. Nous avons enlevé en Dieu, nous croyons. Nous mettons notre confiance. Plutôt mettre notre confiance est dans l'argent. Et puis on continue au verset 9. Il entra dans l'arche auprès de Noé. 2 à 2. Au verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Regardez bien. L'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. L'eau est sortie non seulement de la terre, je suis au verset 11, chapitre 7, verset 11.
Je relis. L'an 600 de la vie de Noé. Il avait 600 ans. Le deuxième mois, le 17e jour du mois, à ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. C'est-à-dire que c'est pas à où, hein? Ça a coincé par le sol. Donc Dieu a caché l'eau dans le sol et il a décidé d'ouvrir les vannes. C'est comme si il y a une pression d'eau là et puis maintenant on ouvre les vannes. Quand on ouvre les vannes là, l'eau jaillit. Ceux qui ont sondé en haut, qui n'ont pas trouvé l'eau, l'eau a sorti de la terre. Mais c'est pas fini. Comme ils n'ont pas vu qu'il y avait des écluses là-bas, Dieu a ouvert les écluses. Tous les citernes d'eau qu'il a lui-même emmagasinées, que l'œil humain ne voyait pas, les a ouvertes pour les déverser sur la terre. Pendant 40 jours et 40 nuits, on le lit, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent selon, sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils rentraient dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevaient l'arche. Et elle se leva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus. Et de toutes les hauteurs, de toutes les hautes montagnes, qui sont sous le ciel entier fut couverte. Les alpinistes n'avaient pas de chance. Les meilleurs nageurs n'avaient pas de chance. Parce qu'il n'y a pas de bois, il n'y a pas d'arbre plus grand que les montagnes. Toutes les montagnes étaient couvertes. L'homme à quelle taille? Même si on dit à ce temps avec des géants sur la terre, je ne pense pas qu'il devait dépasser 4 mètres de hauteur. Dieu a fait une chose inouïe. Mais pour sauver Noé, Dieu lui a donné des instructions précises. Et il devait tout faire selon le modèle que Dieu lui a montré. Il devait tout faire selon les instructions que Dieu lui a ordonnées. Bien-aimés frères, je ne sais pas si vous comprenez, le temps est venu pour nous aussi de faire attention. De faire attention. Parce que quand nous regardons le temps dans lequel nous sommes, les choses tirent à leur fin. Et si les choses tirent à leur fin, certainement que Dieu a donné aussi des instructions précises pour ceux qui doivent échapper au jugement qui doit attraper la terre. Dieu parle à ceux qui trouvent grâce devant lui. Amen. Dieu parle. Il parle à ceux qui trouvent grâce devant lui. Si nous avons trouvé grâce devant Dieu, sachons que Dieu nous parle maintenant. Amen. Comme notre frère Thierry Gbaka me faisait voir en 2015, où j'allais, je disais, et vous qui êtes dehors, approchez quand Dieu parle. Venez écouter quand Dieu parle. Oui, il y a des moments où on pense qu'on est prétentieux, mais Dieu parle encore aujourd'hui. Moi, je crois que Dieu parle encore aujourd'hui. Si nous voulons écouter Dieu, nous aurons un cœur droit pour entendre ce que Dieu dit. Mais si nous ne voulons pas écouter Dieu, même quand on mettra les choses devant nous, on ne verra pas. Judas a marché le Seigneur, mais n'a pas vu. Les pharisiens n'ont pas reconnu celui qui est le maître. Quoiqu'ils ont lu toujours dans le temple ce qui a été écrit de lui.
mais ils n'ont jamais su que c'est de lui les questions. Pourtant, lui, il a dit, vous lisez ces lettres, mais c'est qui a témoigné de moi. Ces écrits dont on parlait là, c'est qui a témoigné de moi. C'est au milieu de la lue, Ésaïe 62, c'est pas ça, c'est Ésaïe 61. Ésaïe 61, il dit, cette écriture que vous entendez aujourd'hui, c'est accompli. Il a bien dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Mais ils n'ont pas compris. Nous n'ont compris que ceux à qui c'est destiné. Comme au jour de Moïse, je disais encore hier nuit, ce qui arrivait à courir d'Atan à Bila à l'heure, Moïse disait, si ce qui est naturel arrive, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Si Dieu ne fait pas quelque chose d'inuit, si la terre n'ouvre pas sa bouche, la terre a une bouche. Mais Moïse dit, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé. Et à peine qu'il est fini que la terre s'ouvrit. Et on dit, la terre a ouvert sa bouche. Et il les avalait. Et au cri, à leur cri, tous ceux qui étaient là ont fui. Tous ceux qui n'étaient pas concernés là ont fui. Mais si vous êtes concerné, vous ne pouvez pas fuir. La terre va t'avaler. Mais quand tu n'es pas concerné, tu as la protection de Dieu. Amen. Alors que les autres mouraient, ceux qui n'étaient pas concernés, là, ils pouvaient fuir. Ils couraient, fuyaient. Mais ceux qui étaient concernés, ils ne peuvent pas. C'est comme si Dieu a mis un cordon tout autour. Ils ne peuvent pas aller. Et la terre s'est ouverte sous leurs pieds. Leurs tentes, leurs maisons, leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs, tous. Tous les rebelles. Ils sont tous descendus dedans, comme ça. Et après, la terre s'est refermée comme s'il n'y avait rien du tout. Pour ne pas laisser trace. Rien. C'est comme cette table-là, on la fend, elle se fend d'elle-même, et puis elle revient, se colle, on cherche par où, on ne voit pas. C'est comme ça que Dieu fait ces choses, de manière à ce que l'homme ne puisse pas parler. On ne les a pas revus, de nouveau, point de tout. Et nous, bien-aimés, qu'attendons-nous aujourd'hui? Nous attendons l'enlèvement, non? Est-ce que nous suivons le modèle? Parce qu'il a dit aux disciples, ce Jésus que vous voyez partir reviendra comme vous l'avez vu. Pourquoi restez-vous là à regarder en haut? Ce n'est pas la peine de rentrer. Rentrez à Jérusalem comme il a dit. Ça, on le lira après. Quand on arrivera, on le lira après, vous allez voir. Rentrez à Jérusalem. Et vous allez aller attendre à Jérusalem. Allez à Jérusalem. Ne restez pas là à regarder le ciel. Il y en a qui sont devenus adorateurs du soleil. Ils pensent que Jésus va revenir. La fois dernière, on m'a envoyé une vidéo de quelqu'un qui a acheté un avion depuis 1966 attendant la résurrection de Frère Branham pour prendre cet avion-là, pour parcourir le monde, pour faire les miracles, pour prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, cet avion est en délabrement complet, total. Et cet homme, on l'a montré. J'ai la vidéo. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Il a acheté un avion qui est là attendant la résurrection de Frère Branham. Frère Branham va ressusciter pour prendre cet avion-là. Pour parcourir. Quand il était vivant, tu l'as pas acheté un avion. Même si tu achetais l'avion, il n'allait pas prendre. Maintenant qu'il est mort, tu achètes l'avion. Parce que tu attends sa résurrection pour venir prendre l'avion. Dieu n'a pas les moyens de le faire déplacer. Philippe, là, c'est dans l'avion, Philippe s'est déplacé pour aller à Gaza. C'est un homme qui a dit à Philippe, va sur la route de Gaza, là. La route mène à Gaza, c'est Philippe. C'est un homme qui a parlé. Non, frère. Il y a trop de stupidité aujourd'hui dans ce message-là. Il y a trop de choses inconcevable que Dieu nous vienne au secours. Amen. Cherchons la volonté parfaite de Dieu. Amen. Cherchons le ainsi dit le Seigneur. Moïse a et chose, Noé a suivi le ainsi dit le Seigneur. Quand Dieu a dit, il le fait. Et c'est ce qu'il a dit à Jérémie. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Quand quelque chose
Quand Dieu dit, c'est ainsi est dit, c'est comme ça que ça va avoir lieu. Regarde la maman de Samson. Il lui a dit, tu vas être enceinte, tu ne bois pas, tu ne vas pas faire. Parce que cet enfant-là qui va naître là, il s'est en Nazéria. Et quand son père est arrivé, Manoac est arrivé, et que l'ange est là, il dit, laisse-moi offrir. Il dit, mais quand tu vas offrir ton... Moi, je ne vais pas manger ça. Il dit, mais je vais te l'offrir. Qu'est-ce que tu as fait? Il a mis son bois, il a touché. Il est monté dans les parties. Il a dit à sa femme, nous allons mourir, nous avons vu Dieu. Il dit, si on devait mourir là, il ne s'est pas révélé à nous. Avant, il lui a demandé quel est ton nom. Pour que quand ce que tu as dit là s'accomplira, je puisse rendre gloire. Il dit, pourquoi tu demandes mon nom? Il est merveilleux. Amen. Et aujourd'hui, on chante merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. C'est vrai, il est merveilleux. Il a été merveilleux pour Noé. Il a été merveilleux pour Abraham. Il a été merveilleux pour tous les saints d'autrefois. Il est aussi merveilleux pour nous. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et qu'il bénisse chacun de nous. Amen. Pardonnez-nous si on arrête maintenant après une heure de temps. Parce qu'on a des contraintes. Il est déjà 17 heures. Il faut aller à plus de 20 ou 30 km d'ici pour recevoir les condoléances de ceux qui viennent à la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se revoit dimanche prochain ensemble pour continuer. Ce n'est qu'une introduction au modèle. Attendons-nous à voir les modèles selon Moïse, le modèle selon David, et on va avoir le modèle selon notre temps. On fera tout pour qu'on fasse des modèles selon Moïse et David en même temps à la fois, rapidement, en une heure et demie. On va vous lâcher pour qu'on passe rapidement à notre modèle, à nous, à notre temps, à celui qui était au temps des apôtres et ce que Dieu nous a donné aujourd'hui, pour que nous soyons exactement du même cran que les apôtres. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé Père Céleste, nous te rendons gloire et grâce. Amen. Nous te célébrons, nous t'exaltons et nous t'honorons. Ce que tu as fait pour Noé, tu veux le faire pour nous. Amen. Noé a été sauvé, lui et sa famille. Et nous aussi, tu veux nous sauver, nous et notre famille. Amen. C'est pour ça que tu nous as fait connaître ce message. Si nous serons restés dans nos religions, marcher comme on voulait, vivre comme on voulait, les femmes portant les pantalons, mettant le maquillage, faisant toutes sortes de choses. Oui, c'est vrai. Mais tu veux que nous soyons purs, saints, saintes, naturelles, non pas artificielles. Ô notre Dieu, voilà pourquoi nous te demandons de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Ô notre Dieu, notre Père, de nous rendre semblables à toi, d'avoir ta nature en nous, tes pensées en nous, ton caractère en nous. Seigneur, nous le désirons ardemment. En un mot, remplis-nous de toi. Vis ta vie en nous. Que personne d'entre nous ne vive sa propre vie. Que nous vivons la vie de Christ. Afin que nous soyons des disciples. Et que les gens nous voyant, ils se rendent compte seulement que nous avons accepté ce que tu as donné à cette fin des temps. Sois loué et glorifié. Guéris les malades s'il y en a au milieu de nous. Console les affligés. Père céleste, et libère ceux qui sont enchaînés. Certainement que nous avons des enfants qui ne sont pas encore convertis. Notre Dieu, donne-leur de te connaître. Amen. Et de prendre position pour toi. Amen. De même que tu as sauvé Noé et ses enfants et leurs femmes, sauve nos enfants. Amen. S'ils sont mariés, donne-leur d'être sauvés avec leurs femmes et leurs enfants. S'ils ne sont pas encore mariés, donne-leur la vie éternelle. Amen. Comme tu l'as fait pour Hattie Wright ce jour-là. Donne-nous nos enfants aussi. Avec nous sommes partis avec eux dans ta présence. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.